Mes chers camarades, bien le bonjour. On a souvent l'image qu'avant, les personnes bien portantes comme moi, hein, par exemple, elles étaient valorisées. Mieux encore, que les hommes recherchaient des femmes fortes parce qu'elles étaient plus à même de porter des enfants forts. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de revenir sur la perception du corps à partir du Moyen-Âge et de vous poser la fameuse question de vieux grincheux, hein, est-ce que c'était mieux avant ? Et pour ça, eh bien, je vous propose un épisode entier réalisé avec le camarade Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Salut Ben. Aujourd'hui, ce qu'on qualifie d'obésité avec le qualificatif de morbide est considéré par plusieurs médecins comme une épidémie. Certains préfèrent parler d'obésité massive. En tous les cas, là, on s'inquiète des dérèglements que le surpoids peut entraîner. Parallèlement, on voit naître ce qu'on a qualifié de grossophobie, soit, et je le définis, l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèse. On va donc revenir un petit peu dans l'histoire pour comprendre comment on en est arrivé là culturellement, à stigmatiser les personnes qu'on dit être grosses. Et je vous préviens, hein, ce qu'on va dire est parfois assez dur parce qu'on va remonter le fil des mentalités. Il ne s'agit pas ici de participer à cette stigmatisation, hein, mais de tenter de la comprendre pour mieux lui mettre une petite balayette. Hein. Allez, c'est parti. Au Moyen-Âge, les choses sont assez différentes d'aujourd'hui. Hein. Le gros n'est pas nécessairement dénoncé. Au contraire, il est plutôt apprécié parce que c'est synonyme de puissance. La force, elle est associée au fait de manger beaucoup et en grande quantité. Et si t'es gros, bah, c'est que t'es plutôt en bonne santé. Dans un monde médiéval où règne la faim et la précarité face à la nourriture, on voit les ripailles comme un signe de richesse. Et en fait, c'est pas totalement faux. On parle alors dans les fabliaux de gorge-gloute, des ripailles à grand mesure, des festins à foison, des plaisirs à farcir son ventre, des manger et boire à volonté. Ici, on préfère la chair au végétal, le sang par rapport à la fibre. Pourtant, dès le Moyen-Âge, un doute commence à s'installer sur la vertu de la grosseur. On qualifie peu à peu la chose d'excès, ce qu'on qualifie alors de très gros. Par exemple, le roi de France, Louis le Gros, en 1135, ne peut plus monter à cheval à l'âge de 46 ans. Il est devenu le Gros à la fleur de l'âge, confirmant ici un amollissement attribué à l'excès de masse épaisse et pesante. Il existait donc deux types de grosseur. La première, hein, qui donne des formes, de la force et qui est signe d'opulence. Et la seconde, qui par ses excès est synonyme de relâchement. À la Renaissance, on valorise davantage l'efficacité et l'activité. Le gros devient synonyme de lourdeur, d'inutilité et de paresse. Et ça, on le voit très bien dans les représentations iconographiques et les écrits. Les critiques sont concentrées autour des notions de lenteur, de fainéantise, voire d'intelligence. Le rapport à la religion, il va aussi retisser de nouveaux liens avec l'arrivée en passant de ce qu'on appelle la gloutonnerie. Et pourtant, hein, ça n'est pas parce qu'on méprise le gros, la culture négative du volume, comme on dit, qu'on va valoriser la maigreur. Les observations scientifiques se poursuivent. La graisse donne lieu à différentes définitions, mais les connaissances ne se font pas plus précises qu'au Moyen-Âge. L'évaluation du corps reste, durant cette période, très intuitive. Peu d'indications chiffrées figurant dans les textes étudiés par l'auteur. En dépit de ces imprécisions, des pratiques émergent toutefois pour lutter contre la grosseur. Les ceintures et les corsets contraignent le corps et témoignent d'une croyance dans les effets mécaniques de la technique. Les restrictions alimentaires et les sélections des aliments sont attestées sans pour autant faire disparaître les pratiques médiévales telles que la saignée et la purge. Au cours du XVIe et XVIIe siècle, notamment sous l'impulsion des médecins, de nouvelles normes vont progressivement se mettre en place et forcément, ça se ressent dans les descriptions qu'on va faire du corps. Ambroise Paré, grand chirurgien à l'époque, parle de face plombine et bouffie, d'esprit lourd, grossier et stupide, et de ventre émettant des bruits grenouillants. Et si on emploie un tel vocabulaire, c'est parce qu'on redoute les maladies qui en découlent. La pléthore, l'apoplexie et l'hydropysie. Eh ben oui Ben, mais tout ça ne signifie cependant pas qu'on connaît mieux le gras. Des confusions demeurent et d'étranges rapprochements sont faits entre la graisse, le sang, le phlegme et les humeurs. Un des peintres qui montre le mieux ce qu'on qualifie de débordement de chair est sans aucun doute
Rubens, alors que certains y ont vu une glorification de la grosseur parce qu'il y avait un goût personnel envers la chose, d'autres affirment au contraire que le peintre procède à la mise en image d'une graisse devenant paralysante à force de tout infiltrer. Avec les lumières, commence à se développer une sensibilité par rapport aux graisses et à ce qu'on nomme bientôt excès de poids. Une critique médicale en règle commence à s'organiser contre les gens en surpoids. Et dans la tête des gens, on se dit que ceux qui sont en surpoids sont souvent impuissants ou stériles. On met bientôt en place des mesures de plus en plus rationnelles pour mesurer le corps. Et la ceinture devient le premier objet pour mesurer l'évolution de la taille. Et pourtant, c'est à cette époque que le poids commence à devenir une mesure unique. De plus en plus d'individus commencent à se peser régulièrement et à suivre la courbe de leur poids dans le temps. Certains vont même jusqu'à construire des instruments de calcul. John Wyatt, vers 1760-1770, invente un appareil dont le plateau large et horizontal peut supporter une personne ou un animal. Certains vont plus loin, comme Buffon, qui suggère que le poids n'est pas tout, qu'il faut pouvoir le calculer en fonction de la taille d'un homme. En effet, la grosseur d'un homme grand n'est pas celle d'un homme petit. Pour la première fois, on détermine donc une moyenne. Et cette moyenne, c'est un critère mesurable et accessible vers lequel tout le monde doit se diriger. Dans un monde idéal, hein. Vous savez cette courbe là sur le carnet de santé là. Perso, moi j'ai jamais été dedans. On commence aussi à se poser la question. Quel doit être le poids de la graisse en fonction du poids du corps? Pour plusieurs médecins, elle ne doit pas dépasser la moitié. On assiste également au développement d'une sensibilité littéraire nouvelle. On dépasse ici le simple vocabulaire de embonpoint, grasset, grasselet ou rondelet. On décline une infinité de situations pour rendre au corps son individualité première. Il n'y a pas un gros, il y en a plusieurs, avec différentes formes. Franz von Goetz évoque différents termes, le magnifique, l'appétissante, le gourmand, le financier, le méprisant, l'important, les suites du libertinage ou encore l'ivrogne. Les artistes et principalement les graveurs se joignent au mouvement. Renforcés par la mode de la physiognomonie, vous irez voir, je fais une vidéo là-dessus sur ma chaîne, ils se servent du corps pour indiquer les mouvements de l'âme. Daniel Chodowiecki illustre l'ouvrage de l'Avatar. On oppose le ventre avancé du général au ventre plus retenu de l'officier et à celui efflanqué du soldat. La théorisation de la caricature au 18e siècle renforce cette tendance à montrer le gros. On réinvente la particularité du sujet en accentuant le trait spécifique au point de le ridiculiser. Pourtant, malgré cette définition de plus en plus fine des types de silhouettes, le siècle des Lumières stigmatise aussi l'excès. On craint ici que le poids entraîne la perte des facultés. Si le corps ne peut se mouvoir correctement et mettre les fibres en mouvement, il risque de s'appesantir et d'être écrasé. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on utilise le mot « obésité » plutôt que « corpulence ». La grosseur devient une sorte de désordre, c'est une dégradation interne qui va provoquer tout un tas d'autres choses. En d'autres termes, elle crée un déséquilibre. On insiste alors de plus en plus sur cette pathologie. On s'intéresse à des cas. Le journal de médecine s'attarde en 1755 au cas d'une enfant de 3 ans mort d'un embonpoint excessif dont la circonférence du bas-ventre dépassait en ligne le chiffre de la hauteur du corps. Plus encore, le gros n'est plus qu'un simple balourd culte ou incapable, hein. Il est un personnage inutile et improductif. Et c'est pour ça qu'on va s'emparer du modèle du gros pour critiquer. On compare ceux qui s'engraissent de la substance de la veuve et de l'orphelin alors que le peuple périt de la misère et de la faim. La grosseur représente désormais l'accaparement du gain, elle incarne le profit, va même jusqu'à l'escroquerie. Les caricatures de la Révolution française vont exploiter à fond ce thème. Le ventre immense d'un protagoniste devient le point focal de l'image, celui sur lequel on va se concentrer. Il déborde, c'est une sorte de boursouflure démesurée, gigantesque, on représente la personne affaissée. Le gros ici c'est qu'un prétexte pour orienter la critique, et ça nous montre deux choses finalement. Que le sens derrière tout ça reflète pas mal la culture et l'époque dans lequel ça s'inscrit. D'ailleurs Laurent, je crois que t'as un exemple assez concret. Ouais, Louis XVI va carrément en faire les frais et subir les foudres de la population à ce propos. Plus le règne avance, plus il grossit et plus les caricatures montrent cet état de fait. On parle de lui comme d'un cochon, d'un gros animal. On lui enlève ainsi de son prestige de monarque.
En tout cas, puisque le fait d'être gros est considéré comme une maladie, il faut pouvoir la guérir. Les médecins du 18e siècle vont s'y attacher à travers le développement des toniques, comme par exemple le savon dissolvant qui entre bientôt dans la pharmacopée. On parle aussi de pilules de savon ou de ces gros savons de Venise. On voit des vinaigres xylitiques, des pastilles de menthe, des formules balsamiques, tous censés accroître le mouvement progressif du sang. La tonification du corps est devenue centrale. Elle doit fouetter les fibres et éviter leur relâchement et surtout leur insensibilité. Et du coup, on fait la promotion avec énormément d'ardeur d'un autre remède. Et j'ai nommé les exercices. Ils agiraient sur les filaments, les raviveraient en les durcissant. L'exercice ranime les fibres, entretient la souplesse et le ressort des muscles. Peut-on lire dans des traités de médecine? Le renforcement tient aux contractions, aux chocs, aux secousses et aux convulsions. En plus de ça, on va développer toute une panoplie de soins qui va s'enrichir avec le temps, par exemple avec le bain, dont la température favoriserait l'excitation. Hein. Le bain froid qui va jouer sur les tensions, les resserrements, qui va permettre de revitaliser tout ça pour remédier à la fatigue, comme un bon bol d'air frais, bien vif. On a aussi un autre recours assez original, l'électricité. L'abbé Nollet conseille une électrisation directe et d'après lui, ça permet de réels résultats. Je cite, hein, « Un jeune homme et une jeune femme de l'âge de 20 à 30 ans, ayant été électrifiés pendant 5 heures de suite, perdirent plusieurs onces de leur poids. » Et puis, on a ce qui est le plus utilisé pour perdre du poids, les diètes et les régimes. On propose ici des aliments resserrants et relâchants, par exemple manger de la perdrix ou de la grive, ce qui permettrait de renforcer l'estomac. On peut aussi respirer la fumée des plumes de perdrix pour renforcer les nerfs. Globalement, on va éviter de manger des animaux censés vivre d'ordures comme des canards ou des cochons, des viandes visqueuses, des poissons huileux, parce qu'ils vont venir ramollir le corps. Bon, clairement, on n'est pas dans des trucs hyper carrés scientifiquement et pertinents pour nous autres, mais bon, on le voit encore aujourd'hui, hein, y a pas mal de bullshit pour ce qui est des aliments qui nous feraient perdre du poids. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens commencent à suivre des régimes et à s'y conformer. James Boswell, par exemple, un écrivain écossais, suit le régime de fermier anglais au bouillon sobre et léger. On se dirige ici vers une cuisine plus fine, vers des mets plus délicats. Le 19e siècle, et avec lui la révolution industrielle galopante, introduit une nouvelle mesure qui commence à obséder, l'évaluation chiffrée. Ce n'est pas le poids qui est le premier mis de l'avant, mais les circonférences, les volumes, les contours liés au regard. Ces chiffres, qui prennent de plus en plus de place dans le quotidien, accompagnent la brusque explosion des publications statistiques. On voit également apparaître des traités sur l'obésité qui tous demeurent centrés sur des cas exceptionnels. On parle ici de problèmes endémiques ou encore de généralisation. Ces épaisseurs de graisse sont révélées pour la première fois par Guillaume Dupuytren en 1806 qui analyse le corps d'une femme morte d'étouffement sous le poids de ses chairs. Le chirurgien de l'Hôtel-Dieu décide même d'en faire un moule pour l'exposer ainsi que pour pouvoir enseigner aux futurs médecins. Autre mesure de plus en plus fréquente au 19e siècle, même si elle n'est pas encore dominante, celle confrontant la taille et le poids. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les choses vont s'accélérer et le rapport poids rapporté à celle des tailles s'impose véritablement. Auguste Quetelet, en 1832, est le premier à construire des grilles et des tableaux reprenant les mesures de Buffon, mais cette fois en l'étendant aux âges et au sexe. Il établit des quotients qui vont permettre de chiffrer les écarts d'une personne avec la fameuse moyenne, et quand on définit une moyenne, elle s'impose de plus en plus comme une norme. Et qu'est-ce qui vient avec la norme? Forcément, eh bien, la marginalité et les dérives. Surtout quand tout est basé sur le chiffre. Dans les années 1860, le premier livre de diète que l'on pourrait qualifier de best-seller est publié. A Letter on Corpulence de William Banting, un entrepreneur en pompes funèbres de Londres, parle de son processus de perte de poids alors qu'il s'autodéclarait affligé par l'obésité. De tous les parasites qui affectent l'humanité, je ne connais pas et ne peux en imaginer un qui soit plus pénible que celui de l'obésité. Au cours des années qui suivirent, le terme Banting est littéralement devenu un synonyme de diète en anglais. Mais si l'usage du verbe banting est plutôt tombé dans l'oubli, le terme continue malgré tout de désigner l'action de se lancer dans un régime faible en gras, en sucre et autres glucides.
L'obésité me semble très peu comprise ou évaluée de façon appropriée par la profession médicale et le public dans son ensemble. Sinon, ce dernier éviterait de s'adonner à des railleries auxquelles même les esprits les plus forts succombent malheureusement. Celui qui commence à incarner le gros, c'est le bourgeois. Jacques Brel en a même fait une chanson, hein. Bedonnant, incarnant la richesse et l'aisance, mais surtout la gloutonnerie de celui qui avale tout. Et pour les femmes, c'est un petit peu différent parce qu'on la considère toujours comme un peu fragile. La vraie originalité du 19e siècle, c'est du côté médical qu'il faut la chercher. La chimie a transformé l'image du corps, loin du modèle antique lié aux humeurs. Il s'agit maintenant d'une machine dont la force unique tiendrait à une combustion. C'est-à-dire que l'on va brûler quelque chose, sous-entendu les calories, pour produire une force. La graisse change ainsi de sens. Elle est liée pour la première fois au rendement, c'est une substance issue d'une énergie non consommée. Et ça a des conséquences inévitables sur la vision des régimes et de ce qu'est la santé. Cette nouvelle vision, elle va réorienter les régimes. On va commencer à condamner le pain, les sucres, les féculents. La mécanique du corps n'est pas le seul domaine qui se transforme. L'obésité acquiert maintenant un statut sentimental. L'obèse, à en croire les auteurs du 19e siècle, serait privée de bonheur. Et cette privation est étudiée. L'attrait nouveau envers la plage, notamment celle de Brighton en Angleterre, ou encore les plages de Normandie en France, et bientôt, au siècle suivant, de toutes celles de la Méditerranée, dénude peu à peu les corps. Les tenues plus dépouillées installent le sentiment de corps exposé. Les regards jugent ceux qui ne cadrent pas dans la norme attendue parce qu'imposée. Dans le journal Le Charivari, le 20 juillet 1876, on peut lire, et je cite, « Leur adiposité luisante s'étale au soleil sans avoir conscience du dégoût d'autrui. » Le regard de l'autre structure la représentation de soi et il rejette celui ou celle qui est différent. Il y a aussi un truc de nouveau pendant ce 19e siècle particulièrement chargé, c'est le fait de s'observer dans le miroir. Pour nous autres, ça peut nous paraître assez étrange, parce que c'est assez normal, mais c'est notre petit côté narcissique qu'on assume ici. Moi, je l'assume très bien. Je passe littéralement ma vie à me regarder sur un logiciel de montage, en photo ou en vidéo. Bon, c'est vrai que je m'aime bien, donc ça aide. À partir des années 1870, les robes se transforment aussi. On reviendra sûrement sur l'histoire de la mode un de ces jours dans l'émission parce que c'est particulièrement intéressant, mais ce qu'on peut dire ici, c'est que globalement, les habits féminins mettent un peu plus en valeur les formes. On voit les courbes naturelles de la femme, et donc celles qu'on considère comme trop grosses s'en prennent pour leur grade, comme Guy de Maupassant le montre dans Boule de Suif, où il écrit « ronde de partout, grasse au lard, avec une peau luisante et tendue ». Pour éviter que les formes ne sortent des standards, les médecins, les ingénieurs et les gymnastes vont suggérer de mettre le corps en mouvement. On va décomposer les gestes et les mouvements pour expliquer leur utilité musculaire. On arrive donc au 20e siècle et là il y a un truc qui va clairement amener la silhouette à s'affiner et à se tonifier, c'est les loisirs. Et ça tombe plutôt bien hein, parce que les loisirs, il me semble que c'est un petit peu ta spécialité Laurent. Ah ouais, j'aime beaucoup ça les loisirs, le vélo, le pédalo, le bistrot. Ouais, le bistrot. L'avènement des loisirs et bientôt des sports au tournant du siècle amène donc la figure à s'amincir, mais plus encore, à se tonifier. Ainsi, celui ou celle qui ne cadre pas dans les standards est mis au banc de la société, jugé. On rejette sur sa faute sa physionomie qui est le témoin par excellence du laisser-aller et d'une faute personnelle. Les mœurs évoluent. Et dans les années 1920, la transformation du statut de la femme suggère une nouvelle minceur, effaçant davantage les références aux seins et aux rondeurs. Le bouleversement est central. Jambes hautes, bassin effilé, buste étiré. Le profil en S, de la vieille ondulation souple accentuant la poitrine et les fesses, a cédé face à un profil en I, soulignant l'élancement des tenues et des traits. Le modèle de la garçonne devient une référence déterminante. Ce qu'il faut surtout comprendre ici, c'est que la forme du corps, elle est plus donnée par la chair, mais par le muscle. Le muscle, il va chasser la graisse, il lui fait la guerre. Et le corps, c'est en fait le témoin que tout le monde peut voir de cette guerre. En regardant vite fait une personne, on peut savoir si sa volonté personnelle de se prendre en main et de respirer la santé a perdu ou gagné. Hein ? Et ça serait un petit peu facile comme explication. En tout cas, l'obésité à cette époque-là, elle va devenir une véritable tare de civilisation. Les pauvres, configurés d'habitude comme étant assez décharnés et maigres, d'un seul ils vont acquérir un volume physique qu'ils n'avaient pas avant dans leur représentation. Le pauvre, il va devenir gros,
parce que être gros, c'est le symbole de la dégénérescence. La première édition du Cecil Textbook of Medicine, publiée en 1927, est déjà assez critique à l'égard des personnes grosses. Son constat est assez simple. Si l'obésité y est évoquée comme étant une condition dont les conséquences sont importantes au niveau de l'individu, être obèse, c'est aussi peser sur la société parce que l'individu obèse fait partie de cette société et que son état pourrait nuire à la productivité humaine et à l'espérance de vie. Les médecins offrent un registre linguistique qui évolue et qui traduit de plus en plus le malaise face à ces corps qui entrent maintenant dans le registre du monstrueux. On décline les affections de cette maladie, insuffisance respiratoire, circulatoire ou digestive, intoxication, empoisonnement chronique, etc. La balance qu'on a furtivement évoquée tout à l'heure devient une évidence pour mesurer quotidiennement sa silhouette. Les publicités des années 1920 sont les premières à proposer, et je cite, « pour ceux qui souhaitent réduire leur poids de manière scientifique ». Les balances publiques se généralisent au point de permettre 500 millions de pesées annuelles au milieu des années 1920 aux États-Unis. Il y a vraiment un malaise autour de l'obésité qui va se développer, d'autant plus que la plupart des régimes amaigrissants ne fonctionnent pas. Du coup, on commence à moins culpabiliser les obèses et à les conforter dans une sorte de révolte, un sentiment d'une injustice inouïe de vivre dans un corps humilié qui leur serait étranger. Et rétrospectivement, je suis pas sûr que ce soit la bonne approche. En 1922, Henri Béraud remporte le prix Goncourt pour son ouvrage « Le martyr de l'obèse », un livre dans lequel l'obésité y est aussi invincible qu'avérée. En 1947, la 7e édition du Cecil Textbooks of Medicine évoque l'influence de l'hérédité comme facteur pouvant affecter le poids. Dans le même ouvrage, on met l'addiction à la nourriture sur un pied d'égalité avec l'alcoolisme et on suggère même que cette addiction puisse être le symptôme d'un manque d'adaptation psychologique qui pourrait émaner de l'insatisfaction des besoins sociaux, professionnels ou sexuels. En gros, t'es frustré, donc tu picoles et tu grossis. Ce livre va même jusqu'à suggérer que si tu passes ton temps à rêvasser au fait que tu vas avoir des potes, du succès dans ton taf et au lit, sans le concrétiser, eh ben tu vas être encore plus gros. Et puis avec tout ça, il faut pas négliger autre chose non plus. C'est l'évolution de la représentation du corps au cinéma. Et on le sait, l'influence du cinéma est très forte, comme l'a montré Ben dans son épisode sur le sujet. Vous irez le voir. C'est pas déjà fait. Merci de me faire de la pub, c'est sympa. Oh, mais de rien, hein? Je compte sur toi pour me renvoyer l'ascenseur. Ah, mais oui! Ok, cool! L'idéal de la minceur devient donc dominant dans le cinéma des années 1960 et 1970. Les mannequins et les actrices s'amincissent. Et on a même une étude de Gardner, en 1980, qui constate qu'entre 1959 et 1979, le poids moyen des participantes au concours Miss America a diminué de façon aussi frappante que celui des modèles des pages centrales du magazine Playboy. Ce qui n'aide pas vraiment les personnes en surpoids à s'identifier et à s'accepter. Néanmoins, en 1969, l'association NAFA pour National Association to Aid Fat Americans, devenue plus tard la National Association to Advance Fat Acceptance, est fondée par Bill Fabre. Les premiers mouvements liés au Fat Acceptance, dont un Fat In à New York, voient le jour. Aujourd'hui, la situation est globalement un peu différente. Le phénomène de l'obésité, il est caractérisé par une chose, son statut épidémique. Selon un rapport de l'OMS, en 2017, plus de 1,9 milliard d'adultes sont en surpoids et plus de 650 millions sont obèses. La mesure de l'obésité, qui a longtemps été subjective, elle est aujourd'hui standardisée. On a des contours et des poids qui sont définitivement quantifiés, des normes qui sont universelles. Le thème de l'obésité en général occupe désormais le territoire de la santé publique avec ses normes et ses règlements. Et en France, on peut d'ailleurs voir depuis plusieurs années le fameux « manger-bouger » et les 5 fruits et légumes par jour qui sont matraqués absolument partout. Mais on a encore un gros problème. Si on sait de plus en plus qu'il existe des facteurs environnementaux qui sont en dehors du contrôle des individus, c'est-à-dire des causes externes qui font que les gens deviennent obèses, les campagnes de santé publique des 20-30 dernières années, elles ont tellement mis le focus sur la responsabilité individuelle des personnes grosses à devoir se prendre en main et remédier à leur situation, qu'elle a contribué à stigmatiser encore plus les personnes grosses. Clairement, ces campagnes ont aidé à véhiculer le message que ces personnes sont les seules responsables de leur poids. Et ça, c'est totalement faux. Pour résumer tout ça, on a deux tendances historiques qui vont se rencontrer et exploser.
D'une part, la présence croissante de l'exigence du mince, et celle, dans un deuxième temps, de la dénonciation du gros. Hein, parce que l'obèse, il perturberait la communauté. Ça serait un malade social, un gêneur qui coûte de l'argent, un individu sans volonté. La culture de l'obésité, d'ailleurs, elle va bien confirmer comment elle va basculer dans de l'accusation à la stigmatisation et à la victimisation. En 2019, l'administratrice en chef de la santé publique canadienne, la docteure Theresa Tam, a reconnu que la stigmatisation liée à l'obésité a des résultats et des répercussions pour les populations affectées. Diminution de l'obtention de soins et de l'utilisation des services de santé et sociaux, et qualité plus faible des services reçus. Réduction de la participation sociale, conséquences socio-économiques, revenus personnels inférieurs, stratégie d'adaptation nocive pour la santé, exemple, troubles de l'alimentation. Résultat, les personnes obèses auront un stress aigu et chronique plus élevé et des réactions physiologiques connexes comme le maintien du surpoids, des mauvais résultats en matière de santé physique et mentale comme l'anxiété, la dépression ou encore le manque de motivation pour faire de l'activité physique. Comme on dit, on n'a pas le cul sorti des ronces. Hein. L'obésité, c'est une vraie maladie qu'il ne faut pas prendre à la légère. Les causes, elles sont complexes et la question de la responsabilité de l'individu, elle est souvent bien plus mise en avant que le reste. En réalité, il y a plein de facteurs qui font qu'une personne peut être atteinte d'obésité. Et si je prends mon cas, par exemple, hein, oui, sans doute, je bouffe trop. Et peut-être n'importe comment. Hein. Mais vous le savez, pour ceux qui suivent l'émission, j'ai été diagnostiqué il y a quelques années comme faisant de l'apnée du sommeil de façon assez grave. Et cette maladie-là, elle peut totalement renforcer la prise de poids, par exemple. Tout simplement parce que si je dors pas correctement, j'ai besoin de me nourrir davantage pour avoir des forces et tenir la journée. Alors ça me dédouane pas du tout de bouffer n'importe quoi, hein, mais c'est un facteur supplémentaire qui vient s'ajouter à tout ça et qui vient rendre la chose encore plus difficile à gérer. Alors aujourd'hui ça va, j'ai un traitement qui m'aide, mais il y a aussi plein de gens qui ont d'autres maladies qui elles ne sont pas aussi faciles à traiter. Tout ça pour vous dire qu'il y a des personnes qui sont obèses, qui subissent une stigmatisation et à qui ça pourrit la vie. Alors d'autres le vivent très bien et c'est tant mieux, mais ce qui est intolérable, ce qui vient se rajouter au fait que ça soit parfois une souffrance, ce qui va blesser, c'est ce regard des autres. Et ça, pour le coup, on peut tous le contrôler, on peut tous agir concrètement pour ne pas participer à cette stigmatisation des gens qui sont en surpoids. Voilà, c'était le message un peu personnel que je voulais faire passer sur cet épisode. J'espère qu'il trouvera un écho auprès de vous tous. Et je voulais remercier Laurent de m'avoir accompagné de nouveau, parce qu'on a fait déjà des épisodes ensemble, sur cette vidéo. Merci à toi, Laurent. Mon cher, un plaisir toujours partagé. Bien hâte de pouvoir voyager de nouveau et de prendre une bonne bière québécoise ensemble. Hein? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Laurent, l'histoire nous le dira. N'hésitez pas à suivre ma chaîne également, si c'est pas déjà le cas. On se retrouve très vite sur Nota Bene. À la prochaine.